La responsabilité, c'est le prix de la grandeur. Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, coach en développement personnel et professionnel. Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la série Les principes de base du développement personnel afin de vous permettre d'augmenter vos chances de réussir dans la vie. Dans la première vidéo, nous avons défini le développement personnel comme étant l'individuation, c'est-à-dire le fait de savoir que nous sommes composés de trois parties et que les trois parties de l'être humain, notre corps, notre esprit et notre subconscient travaillent de concert, soit pour nous permettre de réussir, soit pour nous amener à l'échec. La différence dépend de la manière dont nous utilisons notre corps. Ça, c'est dans la première vidéo. Et dans la deuxième vidéo, aujourd'hui, nous allons parler du premier principe qui va vraiment nous aider à utiliser positivement les trois parties de notre corps et surtout notre subconscient, parce que ce que je vais vous dire maintenant est lié au fonctionnement de notre troisième partie, notre subconscient. Et je sais que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord de ce que vous allez découvrir aujourd'hui, mais cela reste et demeure un principe, une règle et je dirais même une loi. Et ce principe est le suivant. Nous devons assumer l'entière responsabilité de tout ce qui arrive dans notre vie, que ça soit bon ou mauvais. Ça, c'est le premier principe que beaucoup de gens ne sont pas prêts à accepter. Je sais que nous avons mille et une raisons pour dire non, monsieur, coach, et ça c'est arrivé, c'est la volonté de Dieu, c'est la décision des arrière-grands-parents, c'est de la génétique. Oui, tout ça ce sont des bonnes raisons, mais si vous restez seulement à ce niveau-là, qu'est-ce que cela va produire de bon et de positif dans votre vie? La réponse est zéro, parce que jusqu'à ce jour, nous ne faisons que nous plaindre et rien ne change. Mais la raison pour laquelle je dis que ce principe est vrai, c'est que cela est rattaché à une loi de l'univers que vous avez déjà entendu parler, mais que vous n'avez pas cette appréhension de cette loi. C'est la loi de l'attraction. Que signifie la loi de l'attraction? C'est qu'un être humain est en même temps un émetteur et un récepteur. Nous émettons les vibrations et nous recevons les vibrations. Et tout dépend de la nature des vibrations que nous émettons. Si ce sont des vibrations positives, cela va activer certaines lois dans l'univers qui va faire que nous allons attirer vers nous des événements, des occasions, des opportunités afin d'améliorer notre vie. Et si nous sommes dans les plaintes, si nous sommes dans la victimisation, si nous n'avons jamais eu tort et que tout le monde a tort et nous on a toujours raison, ce qui est sûr, c'est que cela ne va pas changer grand-chose dans notre vie. Ça, c'est un principe très important, les amis. Soyons désormais conscients du fait que nous sommes au contrôle de notre vie et c'est à nous de l'orienter dans la direction qui nous semble bon en émettant des pensées, des paroles positives de façon que l'univers nous réponde positivement afin d'améliorer notre vie. Voilà donc la base de notre croissance personnelle, la base de notre efficacité personnelle et la base de notre réussite. J'ose croire qu'après avoir suivi cette vidéo, vous allez changer la manière de piloter votre existence de façon que votre futur puisse positivement changer pour le reste de votre vie. Et si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi des commentaires juste ici dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et sachez que impossible est une bêtise et l'échec n'existe pas. Merci beaucoup.